Thank you.
Et je suis né à Oumé. Je suis le détenteur du prix la meilleure peinture ivoirienne de l'année 2014 et organisé par le AAPC, Association des artistes peintres contemporains de Côte d'Ivoire. Et je suis aussi détenteur du prix Michel Kodjo de Okami Design, organisé en 2015 en Côte d'Ivoire. Et ma technique présentée ici, c'est le pointillisme à huile. Merci. Lorsque j'étais adolescent, j'aimais l'illustration. C'est-à-dire, la peinture est venue vers moi par le biais des illustrations. J'aimais beaucoup l'illustration, j'aimais les formes. J'aimais donner vie à des formes. Et à l'école, j'illustrais sur les paragraphes des feuilles, les feuilles de composition, n'importe quel examen, j'illustrais sur les feuilles, je fais des petites caricatures, des dessins, d'où j'étais beaucoup sanctionné pour cela. Les éducateurs, mes enseignants, les professeurs, ils n'aimaient pas cela. Et lorsque je suis arrivé en 2008, en troisième, dans le collège catholique Saint-François de Oumé, mon directeur, Monsieur Loblignon, Dany Séraphin, il m'a approché et il m'a dit, qui fait ces œuvres-là? Et je lui ai dit que c'est moi qui fais ces œuvres-là. Il m'a dit ouvertement, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup sociable. Et en même temps qu'il est sociable, il est souciable. Il m'a dit que ma place ne se retrouve pas ici à l'école. Parce que avec la potentialité que j'ai, je ne dois pas encore rester ici en train de souffrir, en train d'étudier, en train de poser des questions d'où je n'ai pas de réponse. Que la réponse à ma question, c'est celle qu'il vient de me poser. Et la réponse à cette question est que je m'en aille maintenant, est que je m'engage maintenant dans la peinture, est que je décide de peindre maintenant, de devenir artiste peintre durant toute ma vie. Et par son courage, il m'a toujours encouragé partout, hein. Il m'a encouragé au plan économique et au plan financier. C'est lui-même qui a été le premier homme à acheter les pots de peinture pour moi, pour que je puisse illustrer et maintenant pour que je puisse travailler la peinture. Parce que je n'avais pas de moyens dans le passé. Lui, c'est lui qui m'a aidé pour que je puisse travailler et je travaille maintenant avec la peinture à huile. Je faisais l'illustration, je faisais les petits portraits. Et je n'ai pas appris la peinture, voilà, je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris, mais c'était l'instinct qui était en moi que j'ai développé. J'ai développé, personne n'est venu vers moi pour dire oui, je vais t'apprendre la peinture. Je n'ai pas fait l'école de peinture, voilà. C'est un don parce qu'il est écrit dans la Bible, bien avant la création du monde, Dieu a enfoui au-dedans de l'homme une instruction divine que le monde entier attend. Avec un ardent désir, sa manifestation. Après les encouragements de mon directeur, je suis tout de suite venu à Abidjan. Et je suis venu à Abidjan en aventure, vivre avec mon oncle, Monsieur Justin Oussou, qui est artiste peintre de profession et qui est même professeur de la peinture dans une école d'art en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit que il est la personne parfaite qui pourrait me diriger dans ces instincts qui s'animent en moi. Donc, en vivant auprès de lui, en faisant comme lui et en faisant ce qu'il me dit de faire, et juste avec des encouragements, les travaux qu'il me donnait, des exercices qu'il me faisait faire, tout ça, ce que aujourd'hui, je devienne artiste peintre. Lorsque j'étais à l'académie Justin Oussou, il m'avait appris sa technique. Vous savez, pour tout jeune qui veut émerger en peinture ou bien dans un métier, lorsque tu vas dans un atelier de formation, il faut vider ta bouteille de connaissances. Donc, j'ai vidé ma bouteille de connaissances pour me disposer à ce que me montrait mon patron qui est mon oncle. Donc, il me montrait les techniques et je faisais ces techniques à l'être.
tellement que il était tellement que je faisais mieux ce qu'il me donnait, il était vraiment, il était, ça l'encourageait d'avoir comme moi, ça l'encourageait de m'avoir comme apprenti. Il me confiait même des travaux que je faisais, et lorsque je faisais, il vient, il signe là-dessus, il s'en va vendre, et ça prouvait que je maîtrisais maintenant sa technique. Donc j'ai fini de faire sa technique, il faut que je m'expose maintenant. Je rentre maintenant dans les galeries à côté, tout le monde me dit que ça c'est l'écriture de monsieur Justin Ousou. Ça c'est l'écriture de monsieur Justin Ousou. Je n'arrive pas à vendre, la poche est vide, je suis bourreau de talent, mais le talent c'est l'écriture de monsieur Justin Ousou. Tout le monde me refusait et je suis venu désespéré. Et dans mon songe, lorsque je dormais, dans mon songe, et il m'est révélé de peindre avec les points. Ces points, pour mettre un peu de différence parmi les autres. Pour mettre des points sur des i. Les i qui sont les préoccupations des autres qui disent que je suis bloqué, je n'ai plus de connaissances. Voilà. C'est là que j'ai commencé à faire le pointillisme à huile. D'une personne se distingue par les compétitions qu'il fait. Et au cours d'une compétition, lorsque les esprits meublés, les hommes intelligents, les hommes capables, les professeurs d'art, ils se réunissent quelque part, les profanes comme les connaisseurs se réunissent quelque part, et qu'on choisit une personne là-dedans, qu'on dit qu'il y a le lauréat de ce concours, c'est que c'est du génie. Et comme moi, j'ai été lauréat d'un concours en Côte d'Ivoire où j'étais le meilleur peintre dans mon pays, je peux dire que je suis parmi les meilleurs. Voilà. Okay. Donc, concernant la lutte, c'est-à-dire ma démarche artistique soutient la thèse pour laquelle moi-même j'étais d'abord exposé. En premier lieu, moi je suis issu des bas quartiers, issu des familles pauvres en Afrique. Lorsque un enfant est entouré par une famille qui n'est pas capable de nourrir l'enfant avec des paroles positives, il grandit avec un manque de confiance. Oui, donc où je suis là, j'étais avec un grand manque de confiance. J'étais avec un grand manque de confiance. Je n'avais personne pour m'encourager, personne pour me soutenir. Jusqu'à même où je suis arrivé ici, soutenir financièrement, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu de soutien financier. Et en Afrique aussi, nous sommes exposés à la faim. Il y a des personnes en Afrique ici qui devaient, des enfants qui devaient poursuivre les études pour être demain quelqu'un dans leur vie. Ils sont exposés à des histoires de famine. Le ventre qui est vide ne peut pas apprendre. Le ventre qui est vide ne peut pas apprendre. La maladie. Et les enfants soldats, les enfants qui devaient partir à l'école pour devenir des cadres, ils sont exposés à des crises politiques qui les entraînent à être soldats, la délinquance. Vraiment, c'est tout cela que moi, c'est contre tout cela que moi je lutte. Je lutte pour que ça cesse, pour que il y ait nous ayons tous un avenir meilleur, pour que nous puissions maintenant lutter pour construire l'avenir de nos enfants. Il y a en Afrique des enfants qui, dès le bas âge, on les initie à des traditions ancestrales, des traditions qui n'ont rien apporté à leurs grands-parents. Je veux que tout cela cesse pour que on puisse créer un cadre de vie favorable à ces enfants maintenant, au lieu de les initier à des choses qui n'ont rien apporté à nos grands-parents dans le passé et qui ne vont jamais rien apporter à l'Afrique. Je préférais que on puisse maintenant créer des idées pour améliorer le futur au lieu de se concentrer sur les histoires ou la préhistoire, mais de créer des idées pour améliorer le futur. Les idées pour améliorer le futur, créer des cas de vie favorables aux enfants pour mieux apprendre. Donc je disais que on ne peut pas aller en politique sans avoir un projet de gouvernement.
On ne peut pas être à la tête d'une lutte sans avoir une vision pour la lutte. Donc, comme je lutte pour les enfants, la lutte c'est pour les enfants, l'illustration c'est pour les enfants, et tout ce que je fais c'est pour les enfants, j'envisage à la longue créer des ONG, fondations pour les enfants démunis, pour récupérer les enfants de la rue, les enfants démunis, pour les envoyer à une formation, soit formation de peinture ou couture ou une formation pour que tous ceux qui avaient l'avenir sacrifié puissent rattraper le temps perdu. Voilà. Parce que dans la vie, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour scolariser son enfant. Mais ces enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas été scolarisés là, pour qu'on puisse les récupérer, les mettre sous une formation, et qu'ils puissent suivre la formation, et lorsqu'ils auront leur expérience professionnelle, ils pourront ouvrir leur entreprise. Voilà, c'est ma lutte qui est là. Merci. Donc, tous ceux qui espèrent être artistes peintres, qui ont la pulsion en eux, qui espèrent devenir peintres à la longue, je n'aimerais pas leur dire des paroles qui vont les flatter, mais j'aimerais juste leur dire que lorsque tu empruntes l'école de la vie comme le mentor, comme le focus de ta vie, si tu réussis, c'est pour tout le monde. Mais quand tu échoues, c'est pour toi seul. Et ils auront beaucoup sur le passage des personnes qui vont les encourager, des personnes sur qui ils vont compter, des personnes qui vont même les décourager. Mais attention, ne vous découragez pas, il faut toujours avancer. Si tu es appelé à le faire, il faut le faire. Parce que je redis encore que la Bible dit, bien avant la création du monde, Dieu a enfoui au dedans de l'homme une inscription divine que le monde entier attend avec un ardent désir sa manifestation. Donc à tous ceux qui ont vu devenir artistes peintres, tous ceux qui veulent le faire, tous ceux qui sont appelés à le faire, je vous encourage et tous ceux même qui veulent venir vers moi pour que je puisse leur conseiller, je suis disponible pour tout le monde. Et je salue toute la Côte d'Ivoire, j'embrasse l'Afrique. Au revoir. Thank you.